Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Hunger Game of Sins, édition Disney. Je sais que vous l'attendez impatiemment de savoir quelle sera l'épreuve du jour, et surtout quelle princesse va devoir laisser sa place pour les autres. Quelle princesse va devoir mourir dans horribles circonstances, parce qu'elle aura lamentablement échoué son épreuve. Pour le moment, elles sont quatre, elles sont belles, elles sont toutes pimpantes. Et il reste donc deux brunes et trois blondes. Il y a clairement un désavantage au niveau des brunes. J'espère qu'elles vont rester en lice pour l'instant, en tout cas, pour que le final fasse deux blondes, deux brunes, ce serait cool. Encore en compétition, nous avons Cendrillon, hein, qui bien sûr a revêtu sa plus belle robe pour convaincre le prince et également réussir ses épreuves, parce que bon, cette robe lui apporte des chances, on peut le dire. Nous avons également Belle qui est encore en lice dans ce petit Hunger Game. Belle qui s'est lassée de la bête et s'est dit, le prince finalement, lui, il est beau tout de suite, pas la peine de faire des entourloupes pour pouvoir le séduire et se marier avec. Nous avons encore Aurore qui est avec nous, la belle au bois dormant, n'est-ce pas? Qui, en voyant le prince, elle s'est dit, ah, celui-là, je le laisserai pas dormir dans la baignoire, et surtout, je vais pas faire que dormir à côté de lui. Nous avons encore aussi Blanche-Neige, Blanche-Neige pure et douce. Elle a laissé les sept nains derrière elle, elle en a marre de faire le ménage, mais en tout cas, quand elle a vu le prince, elle s'est dit, je lui croquerai bien la pomme, et voir plus. Et enfin, Elsa, la fameuse reine des neiges, qui, quand elle a vu le prince, elle s'est dit aussi « Wouhou, il ne me laisse pas de glace !» C'est n'importe quoi. Les cinq demoiselles vont donc s'affronter encore une fois aujourd'hui. Eh bien, à la pêche. Aujourd'hui, elles vont pêcher. Je vais toutes les envoyer à la pêche et elles vont pêcher le temps qu'elles voudront. Qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes et bien sûr, celle qui aura le moins de poissons de moins de valeur se verra perdre, parce que pour plaire au prince, vous savez ce qu'il faut, savoir pêcher, savoir concocter des bons petits dîners. Alors ma petite Cendrillon, tu vas venir pêcher ici, Belle tu vas venir pêcher également ici, Aurore ici et Blanche-Neige ici. Je pense qu'on peut faire que deux max, donc ma petite Elsa, tu viendras pêcher là, en plus ça rime, voilà. Je crois que c'est bon, normalement. Non, ah non, non, non. En fait, elle peut pas. Eh ben écoute, si tu peux pas, il y a encore des trucs de pêche ici. C'est canon, parce qu'il y a beaucoup de trucs de pêche dans le coin. Il y en a même encore un là. Donc, s'il y en a une qui sait pas encore se débrouiller là-bas. Je sais pas pourquoi il y en a des spots.
Il y a des spots qui sont dispo à plusieurs, il y en a qui sont dispo qu'à une seule personne. En tout cas, c'est parti pour la pêche. Blanche-Neige et Aurore sont ensemble. Elles ont bien voulu se faire de la concurrence. Peut-être qu'elles veulent se surveiller l'une l'autre pour savoir laquelle des deux aura plus d'avance sur l'autre. Belle est en solo également. Cendrillon a bien rejoint son spot où elle pêche tranquillement à côté des nénuphars. Ah, Aurore a son premier poisson. Bravo, bravo toutes les filles. Elle a pêché un vairon. Si simplouze. Voilà, c'est toujours ça de gagner, hein. Et Elsa a également rejoint son petit spot où elle a les petits coin-coin qui la regardent et qui pourraient peut-être l'encourager. Alors que Cendrillon vient de pêcher une baie de plantes vaches. Ouais, pourquoi pas. Tandis que Elsa a pêché une truite. Ah ouais, Elsa, t'es bien là, t'es bien placée, hein. 21 simflouzes, t'es plutôt pas mal. Aïe aïe aïe. Ouh, 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 je crois qu'on a malheureusement déjà une perdante. Avec Blanche-Neige. Eh oui, on dirait que les poissons sont trop malins pour Blanche-Neige dans le coin. Essayez de pêcher ailleurs jusqu'à ce qu'elle s'améliore. Ou essayez d'utiliser un appât de plus grande valeur. Ben, en fait, je pense tout simplement que tu vas être éliminée, ma cocotte. En plus, t'es toute buggée là, je sais pas ce que t'as, mais on dirait que tu fais la danse de Saint-Guy. Je vérifie. Non, elle n'a rien pêché. Comme elle a arrêté de pêcher d'elle-même. Et que je pense que toutes les autres ont quelque chose. Oui, Cendrillon a quelque chose. Belle, Belle n'a rien. On va voir. On va voir. Aurore a quelque chose. Blanche-Neige n'a donc rien. Et Elsa a quelque chose. Donc ça peut être Belle également. Hein. Mais punaise, les filles. Ah. Non. Ça se joue du coup entre Belle et Blanche-Neige. Parce que si Belle n'arrive pas à choper quelque chose, eh ben, elles seront au coude à coude. Et c'est pas cool, les filles. Hein. J'avais dit qu'il fallait éliminer une blonde là. Non, c'est pas cool. Tandis que Aurore abandonne également la partie, mais elle a chopé un verron de 6 simflouzes. Donc pour l'instant, bah, c'est pas elle qui va mourir. Allez, Belle, tu peux le faire. Regarde, il y a plein de poissons. Vas-y, 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 vas-y. Avec hardiesse et patience. Oh là là, mon Dieu, Belle. Oh là 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 là. Ça craint pour elle. Ouh, Belle a atteint le niveau 2 de la pêche, mais elle n'a toujours rien pêché. Donc c'est bien, mais c'est pas bien non plus. Allez, pêche-moi un truc là. Sinon c'est pas grave, hein. Ce sera la mort subite. Hein. Oui! Oui! Elle a pêché un discus qui vaut 18 simflouzes. Oh là 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 là, alors que je crois que Cendrillon a abandonné la partie. Bon, elle a pêché quand même deux choses. C'est plutôt pas mal. Et Elsa continue également de pêcher des trucs. Donc Elsa est vraiment clairement la gagnante du lot. Et malheureusement, Blanche-Neige, on va lui dire au revoir. Donc je connais au moins une personne qui sera contente de la voir mourir. Je ne sais pas si c'était votre préféré, mais en tout cas, on va passer maintenant à la mise à mort. Et oui, c'est cruel, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce fut un peu chaotique, mais j'ai quand même réussi à choper des fougous. Et à envoyer notre petite Elsa apprendre la recette pour qu'elle puisse préparer un nigiri de fugu médiocre. Et oui, je me suis dit que dans le conte, notre petite Blanche-Neige mourait empoisonnée par une pomme. On peut pas empoisonner les pommes dans les Sims, mais on peut mourir empoisonnée avec du fugu, du nigiri de fugu. Allez, c'est parti, c'est médiocre. J'espère que la petite Blanche-Neige va apprécier ce petit plat que sa copine lui aura concocté. Vas-y, ma cocotte, regarde. Elle t'a fait un bon petit plat. Oui, mange bien maintenant. Oh! 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 Oups! Oups! Bon, eh bien, ce fut vraiment rapide. Non seulement à l'élimination, mais également dans la mort. C'est juste l'entre-deux qui fut un peu plus long, en tout cas pour moi. Blanche-Neige n'est plus. Et encore une fois, Cendrillon va assister à la mort. Ah, la pauvre, elle a vraiment. Elle assiste à tout, quoi. Félicitations, Blanche-Neige a fait les premiers pas dans son. Non, mais c'est trop tard. Blanche-Neige n'est plus. Blanche-Neige a la tête dans sa bouffe. Et ce fut bien médiocre, alors merci Elsa.
Oui, ma petite faucheuse, emmène donc cette pauvre âme avec toi. Je mets de côté le nigiri au cas où j'en aurai encore besoin. Et puis voilà, nous avons donc une princesse de moins dans le game. On se retrouve donc la semaine prochaine pour avoir de nouvelles aventures des princesses. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera votre princesse préférée qui sera éliminée. Ou pas! Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et bien sûr à partager la chaîne pour me faire connaître. Des gros bisous. Ciao!